Et salut à tous, Jordan 2988. Et donc on s'était arrêté ici pour l'épisode 1. Donc maintenant là c'est l'épisode 2. Donc franchement cet petit épisode, l'épisode 1, je me suis régalé. Je me suis vraiment fait très 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 plaisir. Donc c'était vraiment très mais très très bien. Voilà. Donc on va continuer cet épisode. Et donc c'est parti. Et sinon, je pourrais prendre une douche. Cállate. Bonjour, messieurs. Ou bonsoir, difficile à dire au fond de ce trou. Oye, idiota, monte les escaliers. Viene saliendo un prisionero. Abran la reja. Ok, on va monter les escaliers. Hop là. Salut, ça va bien? Salut, ça va bien? Hein? T'es mon pote, toi? Non? T'as pas l'air, hein? Donc on se retrouve en prison. Bienvenue au Panama. Je sais pas pourquoi. Lo que hiciste a Gustavo. Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo hey Vargas, cuando regreses. Donc on était dans un bateau au début et... Et puis on était petits, on a fait l'orphelinat et tout, et puis là on se retrouve ici, âgé, un peu plus grand en fait. Alors. Où tu m'amènes toi, gringo? Hein? Abre las rejas. A donde lo llevas? Qu'est-ce qu'il dit lui? Diviértete. Je parle un peu espagnol, tu sais. Ah bah ça tombe bien alors. Attends, mais qu'est-ce que t'as dit? Tu le sauras bien assez tôt. Ok, bon, on va continuer. Oh là. Elle va pas me frapper, j'espère. Hein. Nada, amigo. Rien. Este me encargo yo. Bien. Ok, bon, il faut continuer là, je pense. Hein. Oh là. Violent. Faut aller là. Eh, où tu m'emmènes? Tu vas bien voir. Où est-ce qu'il m'emmène? Ici? Oh, t'es un petit pu... T'es un putain de gros, toi. Oh, 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 doucement. Oh. Connard. Oh. Non, non. Pas par là. Ma foi, j'avais raison, là. Qu'est-ce que tu m'emmènes par là-bas, là? Et con, ce mec, oh. T'es con, t'es con! Oh con! Oh, ça a pas l'air louche du tout. Il a fait tout le détour pour rien là. Je sais pas, je trouve que ça ressemble pas au bureau du directeur. Oh! Il y a des rats qui sont ouais. Passés. On va où là? Oh! Merde! Hein oh! Par là? Il a peur que je m'échappe ou quoi? On y est. Ok. Ok, tu me les enlèves ces menottes ou quoi? Je veux en être. En être? Je sais pas ce que vous comptez trouver là-haut, mais je veux en être. Attends Vargas, le deal c'était que tu nous fasses entrer et ressortir, c'est tout. C'est tout. Ah c'est un complice? Je prends tous les risques à votre place, Gringos. C'est vrai, mais Rafe te verse une très grosse somme en contrepartie. Si. Mais c'est loin d'être suffisant. T'aurais jamais dû regarder dedans. Je sais. J'aurais jamais dû non plus me laisser acheter. Ni vous un complice. Cet endroit, ni passer mes nerfs sur mes détenus. Mais c'est comme ça. Tu pourrais faire attention, ça a au moins 300 ans. J'étais membre de l'équipage du capitaine Henri Avry. Tu sais de qui il s'agit? Avry était un pirate. Le pirate qui a ramassé le plus gros butin de toute l'histoire. Et qui a disparu avec. J'ai fait des recherches. C'est super. Un trésor de plus de 400 millions de dollars d'or et de bijoux. Tout ça sur un seul et unique bateau. Le Gunsway. Ouais. Je sais, je connais cette histoire par cœur. Où est-ce que tu veux en venir? J'occupe la cellule la plus élevée de la prison espagnole. Ah, ici. J'espère qu'un jour vous finirez par trouver votre chemin en ce lieu infernal, que vous porterez ma croix et que vous découvrirez les richesses du paradis.
Et alors, qu'est-ce que tu veux? Les richesses du paradis. C'est une métaphore. Non. Toi et tes amis, vous m'avez pas payé pour venir dans ce lieu infernal à la recherche d'une métaphore. Alors je vais en être. D'accord. Voilà ce qu'on va faire. Tu me laisses monter là-haut, faire le tour de cette cellule. Si jamais il reste quelque chose après 300 ans, t'auras qu'à t'arranger avec Rafe. Allez, détache-moi. Ouais, je dois en être. Espèce de connard. La lettre. Por favor. Et comment tu comptes faire pour monter? Je vais grimper. Oh, sauf bien sûr si tu veux le faire toi-même, puisque tu veux absolument en être. Va pas te briser le cou. Ouais. Je vais faire en sorte. Tu es bon. T'as apporté ce que j'ai demandé? Ouais. Je l'ai caché juste là. En dessous de la table de travail. À côté des caisses. C'est un fou, lui, oh. Je vais être. Cuir. Hein. Oh! Hein? Nouvelle tentative. Ah. De quoi? Wow, c'est beau. De quoi nouvelle tentative? Genre. Ah ouais, parce que c'était pas là qu'il fallait aller en fait. Ok. Je sais pas où il faut aller en fait. Ouais, là-bas. Faut sauter là. Et voilà, les doigts dans le nez. Oh les oiseaux. Oh c'est joli, c'est joli celui. C'est joli celui-là. Allez go, là on a quoi là? Faut rentrer dedans ou pas? Attends mais il y a plusieurs trucs à faire là. Attendez les amis parce que, oh là. Ok ça c'est bon. Alors on peut monter dessus. Là on a un grappin. Enfin, les affaires reprennent. Voilà. Ça, si on était tout à l'heure, hein. On peut rentrer là-haut, croyez-vous ou pas? Je sais pas. Attends, mais non, on va voir dans le puits ce qu'il y a là. Ça m'intéresse. Ah, il y a un trésor. Qu'est-ce qu'on a là? Allez, premier trésor de Uncharted 4. Voilà. Bon, je vais pas le voir hein, parce que sinon ça met un peu trop de temps. Alors j'aimerais bien voir si on peut sauter de là à là en fait. Je pense pas mais bon. Non on va tenter. Ah bah non. On peut pas. Donc attendez parce que là il faut aller où là? Il faut refaire le chemin d'accord. Voilà. Donc on a pris ça, on a pris ça. Ce qu'on va faire... Oh il est tout seul derrière. Il est tout seul, les habits, tout, ils sont tout seuls. Ce qu'on va faire c'est qu'on va monter en haut là comme on a dit. Hop là. Et on va continuer. Alors attendez, L3. Là, c'est cette cellule. Comment je vais arriver là-haut? Ok. Donc faut apparemment monter là. Oh putain, il faut grappin, j'allais sauter moi. Comment on... Hop. Allez, go. C'est parti. Ah voilà, on a récupéré tout, super. Ah mais voilà, il y a... maintenant il y a le grappin. Oh! Oh, c'est joli! Beau franchement. Alors attendez hein. Voilà. Et hop. Et hop là. Faut aller où là? Il faut aller en haut. Oula. Toujours comme ça les Uncharted hein. Maintenant je connais. Bon, là, ça c'est où on était tout à l'heure. Je pourrais essayer de glisser par là en accrochant à ce poteau. Oh. Oh, bien joué. Oh putain, j'ai oublié de sauter. Attends. Hop, voilà. J'ai vraiment hâte de raconter ça à Sam. Et là, on y est à la tour. Super. Allez, toujours plus haut. Toujours plus haut, comme dans Fort Boyard. Toujours plus fort, toujours plus haut. Enfin, je pense. Hein. Alors, attendez. Oh la vue. Oh la vue. Oh la vue.
Bravo, bravo les créateurs. Bravo. Mon petit dog. Hein. Faut aller où là par contre? Attendez, parce que là je suis un peu perdu, il n'y a pas de chemin en fait. Il n'y a que cette tour là. Non, c'est une mauvaise idée. Ah voilà, c'est là. Ben non, je l'ai fait ça déjà, non? Eh oui, j'ai fait ça, je suis con alors. Faut pas monter là, voilà, ici. Voilà, faut monter sur la tour. Ah oui, là, il y a un truc. Hop là, et on saute. Allez, faut que je trouve la cellule la plus haute. Non, non, la cellule la plus haute. Alors, attendez, là, je peux y aller. Peut-être en haut, là. Hop. Est-ce que je peux faire ça ou pas? Ouais, je pense. Hein. On va essayer. Difficile de croire que des dizaines de pirates étaient terrés là-dedans, en attendant d'être pendus. Et voilà. Donc, l'autre chemin que je devais prendre là, peut-être il y a un trésor. Je sais pas. Peut-être. On va continuer comme ça. Wow. Alors, et maintenant? Ok, l'intérieur c'est comme ça. Pourquoi il y a une tour là? Oula oula. D'accord. Attendez, là il y a un truc. C'est une lettre? Oui, oh, yeah, c'est une lettre. Voilà. Oh, et moi qui trouvais les prisons Zoomer. modernes horribles. Ranger, lire. 18 septembre 1796. J'ai perdu le premier équipage, capitaine, hein, cet après-midi, sous les yeux de leur acolyte. 5, gratuite. 20 septembre. Ah ouais, il raconte un peu l'histoire, ouais, du jeu, quoi. On est depuis hier, ce matin. Le démon propose un pot de vin au moment où on lui a enfilé son capuchon. Encore des vagues promesses d'un immense trésor. Je lui ai demandé de se trouver au reste de ce monde. Ok, en fait, il nous raconte le. Tout ce qui s'est passé en fait ici quoi. C'est un pirate qui nous raconte. Alors. J'ai vu quelque chose tout à l'heure. J'ai vu un truc pour m'accrocher. Ah, attendez. J'ai du mal à croire que cet endroit tient encore debout. Ah là. Espagnols savaient construire des prisons solides. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Beaucoup de pirates ont dû mourir là. Ouais, beaucoup de pirates, t'as raison. Ah ouais, d'accord là. Donc, il faut aller là, ok. Faut bien le reconnaître. C'est vraiment trop cool. Oh là, il y a la prison, on était tout à l'heure. Oh, super. Ah là, on doit monter sur le truc. Oh là, oh là, oh là là. Calme-toi. Ah, si seulement ça, on pouvait voir Calme-toi. ça. Non, c'est pas là. Non, 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 non. C'est en haut, là. Voilà. Hop. Allez, mon Drake. Nous y voilà. C'est la cellule de Burns. Oh, c'est la cellule, ça. Cellule? Ça ressemble plutôt à une suite. Alors, Ok. par où commencer? Oh, c'est une énigme, ça. Une énigme. Oh là. Ces gribouillis et ces rayures doivent bien avoir un sens. Je sens que je galérerai. Attendez, on a ça. Tourner. Tourner. D'accord, lire. Lire, on peut lire. Bien. C'est le même que tout à l'heure, moi. Lire, ranger. Là, il y a un truc là. Il y a un signe là. Donc là, il y a un soleil. Attendez.
Attendez, là j'ai vu un truc là. Oh là là. Là il y a un truc là. C'est pas une énigme ou quoi? Ok, alors attendez. On va voir ça. Ah. Le soleil et la lune. Les symboles alchimiques de l'or et de l'argent. Une minute. Il semble que j'ai vu quelque chose comme ça sur la lettre. Ah, sur la lettre. Ok. Ah. C'est bien une partie du symbole. Vous voyez, c'est le soleil. Ah, voilà l'autre moitié. Alors. Ah oui, effectivement. Ah, ça désigne un chiffre, ça, non? Attendez. 5, 6, 7, 8, 8 peut-être. 8. Mince. C'est déjà plus 8. logique. Ok, alors Ah, j'ai deux voilà. signes du zodiaque, Sagittaire et Scorpion. Oula. Oula, Sagittaire, Scorpion, mais c'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Sagittaire et Scorpion. En fait, il y a plein de signes là. Sagittaire et Scorpion. C'est pas ça par hasard, parce que là il y a une boussole là et il y a un truc là. On va 10 et essayer. 2, X et II. Ouais, c'est ça je crois. Parce qu'il y a une boussole qui indique le mur en fait. Ah bah ouais, c'est ça. Oh, super. Oh. D'accord, c'est un Christ quoi, c'est non? Ok, ça veut dire quoi? Bon, on va ranger ça. Il y a encore des trucs? D'y aller. Y'a que ça? D'accord. Bon ben on y va Drake, hein. C'est parti mon kiki. La première marche est dangereuse. Tu m'étonnes. Ah non. Pour descendre, pourquoi? On fait comment? C'est parti. Ah, voilà. Et maintenant. On se lâche. Merde. Ah mince. Je me suis trompé les amis, désolé. Il fallait sauter. Bon, on va refaire, c'est pas grave. C'est parti. Allez, go. Il fallait sauter. Bon. Vous voyez là, il faut sauter. Alors. Ok, là il faut traverser. Attends. Oh là 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 là. Oh là. Oh, oh. Et il faut aller où maintenant? Il faut aller là, non? Ouais. Allez. Oh. J'aimerais bien voir Ray faire ça. Ray faire ça. Ray, je crois que c'est le gros en fait. Ou l'autre, je crois. Putain, allez, on sort. C'était mon épaule. Alors, Voilà, Vargas. Je ah non, veux ça c'est pas. Vegas. Je veux en être. Je vais t'en donner, moi. Je veux en être. MDR. Allez, on saute là. Oh là. Je pensais pas que ça passait. Bon, par contre, là, je monte carrément sur le machin, papa. Voilà. Voilà. Faut faire quoi, là? Faut descendre et s'accrocher là-bas, alors. Hein. Ça. Oh, merde. Non, 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 non. Non, avec ça. Oh, énorme. Énorme.
faut monter. Hein. De toute façon, il n'y a que ça. C'est que d'escalade. Faut monter. Ça, c'est où on était tout à l'heure. Ça, c'est bon signe. Ça, c'est bon signe, ça. Faut aller là. Pour sauter, on va plus bas. Ah bah là là. T'as trouvé quoi? Oh, le mec a fait une charte. Superman. Quoi? L'endroit a été pillé. S'il y a un indice caché là-haut, j'ai pas réussi à le trouver. T'en es sûr? T'as bien regardé au bon endroit? Je sais pas, j'ai peut-être loupé une info dans la lettre. Il y avait peut-être une autre tour dans le coin qui a fini par tomber en ruine. Ouais, c'est ça. Est-ce que il y a des plans de ces bâtiments? Des plans d'architecte? Ça se pourrait, il y a pas mal de paperasse. Ok, super, alors on va en faire le tour et vois ce que tu peux trouver. Pendant ce temps, je vais parler à Sam, c'est lui l'expert sur Avery. Si ça se trouve, il comprendra tout ça mieux que moi. D'accord, je vais regarder les dossiers. Ouais. Tourne-toi. Ouais. Retour à la prison. Voilà. Dès que t'as fini de lui parler, viens m'expliquer. On fait ça. Gringo, si je te reprends encore à te battre, je te foutre une semaine. C'est un correcteur, Vargas. Presque aussi bon que moi. Oh, oh, des cigarettes. Oh, c'est Sam, ça, non? Lo siento, chicos. Tengo que ir. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, ¿eh? Oh, la vache. Ils t'ont vraiment pas loupé, ça va? C'est la routine. Rien de bien méchant. Allez, viens. Hey, oh, oh. Tu vas quand même pas faire durer le suspense. T'avais raison. Tu veux dire, on avait raison. Il ne nous reste plus qu'à trouver Raifea. Non, commence pas, s'il te plaît. Allez, arrête. Tu l'as dit toi-même. C'est nous, les cerveaux, toi et moi. Cette espèce de gosse de riche débarque au dernier moment. Ça fait combien de temps qu'on essaie d'entrer? On avait quelques pistes. Non, on n'en avait pas. On avait que dalle. Que ça te plaise ou non, sans Raif, sans Vargas, on ne serait jamais rentré ici. Parlant de Vargas, on va avoir un problème. Quel genre de problème? Il t'a fait rentrer dans la vieille prison? Ouais, il l'a fait. Bien. Mais après avoir lu la lettre. Qu'est-ce qu'il sait exactement? Assez pour vouloir sa part. Oh merde! Bref, si jamais quelqu'un d'autre en entend parler. T'inquiète pas, je vais m'occuper de Vargas, ça va aller. Pour l'instant, on ferait mieux de se concentrer sur le plus important. T'as raison. Il faut qu'on trouve un endroit un peu plus discret. Ouais. Oh! Un endroit plus discret. Bon, on sera tranquille ici. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, merde. Est-ce que je peux? Fais attention, s'il te plaît. Il est en bois incrusté d'or et d'argent. C'est de la belle ouvrage. Complètement creux. Pourquoi est-ce que l'un des hommes d'Avry prendrait la peine de cacher un crucifix qui n'a aucune valeur? Parce que c'est pas un crucifix. Techniquement, un crucifix est une représentation de Jésus. Là, c'est pas Jésus. T'as raison, pas de couronne d'épines, il est ligoté à la croix. Mais alors, si c'est pas Jésus... Lis l'inscription. Digna factis recipimus. Nous recevons... Ça dit, nous recevons ce que nos actions ont mérité. Ouais. Impressionnant. C'est l'avantage de grandir dans un orphelinat catholique. Donc c'est Saint Dismas. Ouais, le voleur pénitent. Il y a un lien, mais lequel? Les gars, vous pouvez m'expliquer? Je vous rappelle que j'ai pas fait mon catéchisme. Alors, pendant la crucifixion, Jésus est placé au milieu de deux voleurs, ok? L'un des deux s'est moqué de Jésus, l'autre voleur, ce gars-là, il est pénitent. Il a accepté son châtiment de bonne grâce. Du coup, Jésus l'a fait monter au paradis. Le voleur pénitent. Ouais. Compris. Il y a bien une cathédrale dédiée à Saint Dismas.
Elle est en Écosse. Et la dernière fois qu'on a vu Avery, c'était en Écosse. C'est quand même pas une coïncidence. J'avais des doutes sur vos compétences à tous les deux, mais... Allons chercher Vargas et foutons le camp de ce toit. On va en Écosse. Oh putain. Laisse-moi deviner, ce serait pas le type avec qui... Il a un poignard. Je savais pas qu'il avait autant d'amis. Te dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, ok? Il a un poignard. Qui no sale? Hey, tu no te metas. Oula. Allez, là, là par contre, c'est la merde, ça va chier. Oh. Ah, lui c'est bon, lui. Yop là. Bien joué. Et y'a tout le monde qui sont avec là, c'est chiant. Hora de irse, gringo. Sam, tu viens m'aider? Oh, non, je renais. Pourquoi je suis comme ça, maintenant? Hop. Voilà. Oula. Estás muerto. Oye. Mais lâche-moi. Ok, espera. Ya basta de hablar. Oula. Ah, ciao. Ah, heureusement il est là lui, parce que... Alguien más necesita que le recuerde las reglas. Alínense. ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. ¿Es que tú fais de la contrebande? Oh, yes. ¡Cállate! ¿Por qué es que tú te prends? Llévalos a su celda. Me trae a los gringos a mi oficina. Il a pris le truc. Culeo. Déjenos. Déjenos. Ça t'en a pris du temps. On a bien failli se faire tuer. Ça peut s'arranger. Vargas? Et sérieux, là? Oh, non, j'ai rien trouvé du tout. C'est forcément dans une autre tour. Alors? Et des catholiques pure souche, tu sais. J'en ai toujours une sur moi. Très drôle. Hé, hey, hey, du calme. Elle a aucune valeur, d'accord? Vous me prenez pour un con? Oh, si tu veux qu'on renégocie, allons-y, mais arrête de jouer à la racaille du tiers-monde. Allez, pose ce flingue. Merci. Je te propose de passer ta part à... 10%. 50%. C'est nous qui faisons tout le boulot. 20%. Si on n'était pas là, t'aurais rien. 25%. Et donc ça y est les amis, on a fini l'épisode 2 d'Uncharted 4. Donc on se retrouve pour le prochain épisode.